Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bailleul. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le trade du DAX que j'ai pris hier midi et qui m'a fait gagner plus de 5000 euros, finalement en moins de 24 heures. Donc l'objectif, c'est de vous décortiquer ce trade, pourquoi je suis rentré là, pourquoi je suis sorti ici, pourquoi j'ai tenu ma position et vous donner quelques clés pour que vous puissiez reproduire ça à la maison sur votre compte de trading. Alors bien évidemment, pour gagner ce genre de somme, il faut un gros capital. Vous n'allez pas pouvoir gagner 5000 euros tous les jours avec 1000 euros ou même 5000 euros en bourse. Ça n'existe pas. Moi, j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros, tout compte de trading confondu. Donc évidemment, voilà, c'est vraiment une somme qui est assez importante, mais qui à l'égard du capital reste extrêmement raisonnable. Mais je vais quand même vous expliquer ce trade et je vais vous donner quelques clés, j'espère, qui vont vous aider à tenir votre position. D'abord, je vous montre les choses parce que moi, quand j'annonce quelque chose, j'aime bien le montrer. On voit l'ordre qui a été passé hier à midi 1 à 13347 et ce matin à 11h50 à 13140, ce qui vous permettra de constater par vous-même ce trade. Et on peut faire un petit point. Ça, c'est le rapport que fournit Interactive Broker. On peut regarder hier, on peut regarder la, le mois en cours, on peut regarder le mois précédent si ça vous fait plaisir. On peut même regarder le trimestre précédent si ça vous fait plaisir. Voilà, vous pouvez voir que on est plutôt positif. Donc pourquoi d'abord je suis rentré sur ce trade? Alors c'est assez important. Moi, j'avais vu en une heure hier un canal. Alors d'abord, on a eu une ouverture qui s'est faite assez en explosion avec un beau gap haussier. On a eu un DAX finalement qui par rapport au plus bas a pris quasiment 300 points en ligne droite. Donc ça, je trouvais personnellement que c'était beaucoup, que c'était un petit peu excessif. Et je l'ai vendu peut-être un peu tôt, j'aurais pu soigner un peu plus mon entrée, mais je l'ai vendu sur le haut du canal baissier. Je rappelle le principe d'un canal. Un canal baissier, bah, vous allez plutôt chercher à vendre le haut. Un canal haussier, vous allez plutôt chercher à acheter le bas. Ce trade a commencé à mal partir. J'avais un stop qui était placé juste au-dessus des plus hauts. Donc vous voyez, je me suis pas fait stopper pour 1,5 points, je crois. Mais voilà, j'ai tenu mon plan. Et ça, c'est très important parce que au-delà de la technique, je pense que la gestion de votre émotion, la gestion de vos émotions, pardon, est fondamentale. C'est ce qui va faire que vous allez, à la fin de l'année, ou au bout de 5 ans, ou au bout de 10 ans, chacun prend le temps qu'il faudra, mais vous allez devenir quelqu'un qui gagne régulièrement ou pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec l'expérience, ça fait pratiquement 10 ans que je fais ça, j'arrive à tenir un plan jusqu'au bout, que ce soit jusqu'au stop loss, malheureusement, et ça m'arrive encore 30-40% du temps, ou jusqu'au take profit. Il faut vraiment pas avoir peur de perdre. Les gens qui ont peur de perdre, c'est des gens qui ont pas forcément géré leur money management. Ça veut dire que si tu as 10 000 euros de capital, tu prends un trade sur le DAX à l'achat ou en short, peu importe, toujours avec la même taille standard, 1 euro du point ou 5 euros du point pour un mini ou 25 pour un full, et que tu dis bah je vais mettre mon stop ici parce que je veux pas perdre tant, ton stop sera très mal placé, tu le vivras très mal et finalement tu auras peur de perdre. Si au contraire, tu décides d'un stop d'un niveau technique en calculant à chaque fois une perte qui est égale que ton stop soit à 50 points ou à 200 points, tu l'accepteras beaucoup plus facilement. Donc d'abord, si vous êtes un peu stressé en position, si vous n'arrivez pas forcément à tenir vos positions, surtout quand elles partent mal, parce que quand vous achetez que ça explose, quand vous vendez que ça dégueule, c'est facile. Mais quand ça commence à moins bien partir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je garde, est-ce que je coupe, ça c'est plus difficile à gérer. Bah, à partir du moment où vous avez bien géré votre money management, vous verrez déjà que ce sera beaucoup plus facile pour vous de tenir un trade. Et du coup, une fois qu'on a compris que le trading, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire un coup, c'est pas d'essayer de faire x2 sur son compte en une semaine, c'est pas d'essayer de faire un full marche sur je sais pas quoi. Le but, c'est d'avoir une vision long terme, c'est-à-dire de dire je vais apprendre des stratégies, je vais apprendre des méthodes d'intervention, je vais me former pour être capable de tenir ses plans et tenir ses stratégies jusqu'au bout. Mais j'ai compris que quand on utilise des méthodes qui marchent 6 fois sur 10 ou 7 fois sur 10 et qu'à chaque fois j'ai un ratio de 1,5 ou 2 et que je suis capable de tenir ou jusqu'au stop ou jusqu'au TP, quand on a compris que ça permettait à la fin de l'année d'être rentable, eh bien également on tient ses plans plus facilement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de perdants parce qu'il y a aussi une attente qui est complètement décorrélée de la réalité, où des gens pensent qu'on peut faire x10 facilement ou qu'on peut vivre du trading avec un petit capital. Rien n'est impossible dans la vie, évidemment. On peut très bien gagner la même somme que moi avec un plus petit capital, mais je pense que tenir ça dans le temps, c'est impossible. Il va falloir à un moment donné comprendre que ceux qui veulent analyser le trading via l'analyse technique, ceux qui veulent comme nous prendre des décisions sur l'analyse technique, déjà bien comprendre que les gros hedge funds, les grosses banques, elles ont donc quasiment rien à foutre des graphiques,
Donc vous allez utiliser des stratégies qui sont non pas obsolètes, mais pas utilisées par les pros, entre guillemets. Et il faut comprendre que, par exemple, mon approche, elle est statistique, mathématique et probabilité. Et que du coup, bah, c'est mathématique de, effectivement, être rentable si tu as des ratios d'un et demi, deux, et si tu gagnes 5, 6 fois, 7 fois sur 10. Maintenant, la clé de voûte de tout ça, c'est la gestion de vos émotions. C'est-à-dire que, si t'acceptes, moi, par exemple, j'avais accepté une perte peut-être de 2 500 euros, qui représente beaucoup moins d'1% du capital total, mais si t'acceptes 2 500 de perte comme moi, ou 50 euros de perte, ou peu importe, 1% de ton capital, mais qu'à peine ton trade gagnant, tu stresses un peu et tu coupes à, moi, par exemple, si j'avais coupé à plus 1000, même si j'avais gagné 1000 euros à court terme sur cette position-là, ça aurait été une décision complètement négative et absolument pas rentable pour l'avenir de mon trading. Ça veut dire que ça marche uniquement si vous arrivez à aller jusqu'au bout, si vous arrivez à tenir votre plan jusqu'au bout. Et pour ça, il y a des petites astuces. Par exemple, si vous analysez les graphes en 5 minutes ou en 15 minutes pour ce genre de position, on va peut-être basculer sur l'unité de temps du dessus pour éviter d'être un peu perturbé par une bougie qui irait dans l'autre sens. Je vous explique. Moi, par exemple, mon objectif ici, c'était le comblement du gap, le fameux gap d'hier qu'on a fait. Vous voyez, on est venu chercher ce gap, chercher ce bas de canal, je suis sorti à 140, pile poil sur le comblement du gap. Donc, je veux dire que techniquement, ce plan était ultra crédible. En plus, on a eu en fin de journée hier l'apparition d'une divergence baissière, les fameuses. Donc, ce plan était super, super crédible, bien qu'aidé évidemment par ce qui s'est passé cette nuit. Les États-Unis qui ont buté un mec en Iran, riposte à l'attaque, je le répète, de l'ambassade américaine. Mais techniquement parlant, il était hyper crédible. Donc je l'ai tenu aussi pour ça, parce que je savais que mon objectif n'était pas trop ambitieux non plus. Il était réglé techniquement, un comblement de gap, un gap, on sait qu'il est souvent comblé, etc. Mais ce que je veux dire, regardez, si par exemple je me mets dans la peau d'un trader avec un peu moins d'expérience, qui va se réveiller ce matin et qui va voir que son trade d'hier, qu'il a tenu parce qu'il y a div, parce qu'il y a machin, et parce qu'il tient ses plans, ça il est très fort, et bah, et on a commencé à dégueuler, et puis ensuite on a eu des petites bougies vertes. Donc ça peut être stressant de se dire, aïe, oh putain, je gagne 2000, mais c'est en train de rebondir, ou, oh bah là, regardez, il y a le pivot qui tient, oh bah je suis pas très loin de mon objectif, bon bah je vais sortir par prudence. Ça marche plus. Le calcul du money management ne fonctionne plus. Donc c'est vraiment très important d'apprendre, avant d'apprendre à placer un ordre, d'apprendre à analyser un actif, définir un take profit, donc un objectif et un stop loss cohérent en fonction de l'histoire technique de l'actif, savoir calculer une bonne taille de position adaptée avec un money management strict, et être capable de gérer ses émotions et de tenir un plan de trading. C'est pour ça qu'on a créé Livestream Trader. Alors, vous avez plusieurs offres désormais à votre disposition. Vous avez, si vous êtes tout débutant, commencerletrading.com, qui est une offre de formation complètement offerte. Et ensuite, à partir du moment où vous avez un bon niveau techniquement, vous pouvez nous rejoindre sur Livestream Trader, ce qui va vous permettre, eh bien, je vais vous montrer ça, de trader avec nous toute la journée et d'acquérir un bon niveau qui va vous permettre justement de tenir vos plans et d'aller un petit peu plus loin, et pourquoi pas à terme. Moi, je vous répète qu'il m'a fallu plusieurs années pour, je pense, et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais voilà, avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, être capable surtout de bien gérer mes émotions, même si je fais encore aussi des erreurs comme tout le monde, eh bien, rien remplacera l'expérience. Donc Livestream Trader, ça y est, c'est ouvert, l'offre mensuelle est désormais disponible. Vous allez pouvoir, je vais vous montrer ce que vous avez, donc allez voir le site livestream-traders.com. Vous avez accès à toutes nos émissions. Toute la journée, il y a des émissions. Le morning live le matin, 100% Forex avec Julio, Action Man avec Vincent, les live scalping avec moi, des émissions théoriques, des émissions pédagogiques. Vous avez l'accès à tous ces lives-là. Vous avez le flash à midi. Je vous envoie un résumé du morning live si vous n'avez pas pu le suivre, avec mes plans du jour et les actions et le Forex éventuellement sur lequel on s'est positionné. Tous nos trades par SMS, le plan des membres, le copy trading, le copy scalping, le Discord. Pareil, c'est une source d'information. Ça n'a même pas de valeur parce que vous êtes plus tout seul. Vous avez toute la communauté qui est toute la journée dans ce groupe Discord avec différents thèmes, c'est vraiment génial. Mon indicateur de flux, et pour ceux qui font l'effort de s'abonner à l'année, non seulement vous avez une belle remise puisque ça vous offre 2 mois, mais vous avez nos coordonnées en direct, vous avez 1 heure par mois de suivi personnalisé, et 2 jours ici en coaching sur place, 2 jours privés, hein, il n'y a que vous avec l'équipe pour se perfectionner. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est aussi de vous parler de nos services bien évidemment, mais de vous dire qu'il n'y a pas de secret. Si vous avez envie de performer en trading, si vous avez envie à terme, pourquoi pas, un jour d'en vivre, ou en tout cas d'en faire un complément de revenu, ne faites pas ça en dilettante, ne faites pas ça depuis votre téléphone au bord d'une piscine comme les snaps qu'on peut voir de je ne sais qui. Ne faites pas ça en pensant qu'avec un petit capital, vous allez pouvoir faire x5. Il y a des exceptions partout, il y a nombreuses personnes qui ont intérêt à vous faire croire cela. Le trading, c'est difficile, ça prend du temps, ça demande du travail, mais c'est possible. Alors à vous de prendre les bonnes décisions. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce trade sur le DAX, c'est un beau gain. Il faut pas faire n'importe quoi non plus, c'est aussi une deuxième astuce.
quand on a fait un beau gain comme ça. Vous voyez, j'ai vu la divergence 15 minutes qui était là sur le DAX, mais je l'ai pas prise. Non pas parce que j'ai pas confiance, mais il y a l'euphorie qui arrive quand on fait des gros gains comme ça et on a tout de suite envie de re-rentrer en position. On se sent un petit peu le chef du marché. Ouais, t'as vu, j'ai pris 5000 balles. Ça y est, c'est moi le. Moi, j'ai pour habitude, voilà. En plus, on est vendredi. Je pense pas que je prendrai de position cet après-midi. C'est pas que j'y vois pas plus clair, mais voilà, le flux, les baissiers, je laisse rebondir un peu. On verra s'il revient jusqu'au 13300. Si on a un signal, pourquoi pas. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est quand vous avez encaissé un gain, bien de souffler, d'éteindre votre ordinateur et ou de passer sur une autre classe d'actifs comme les actions ou autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais l'idée, c'est toujours d'être dans le partage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on va vraiment faire de plus en plus de vidéos. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt. Bon week-end. Ciao.